Bonjour à tous, je suis Radhika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. On va faire un petit tour à Carrefour et je suis à Carrefour d'Ivry-sur-Seine. On va commencer par les petits déjeuners avec ce lot de pain au lait pasquier, 2,42€. Alors les pains au lait me rappellent un petit peu ma grossesse. Pourquoi ? Parce que lors de ma troisième grossesse, on devait surveiller un petit peu tout ce qui était diabète. Et la personne donc, qui s'occupait de nous donner des informations sur comment s'alimenter et tout ça, nous a dit que les pains au lait étaient très bons. Donc voilà mesdames, si vous ne savez pas quoi manger pendant votre grossesse, c'est qu'il y a un petit souci peut-être de diabète. Donc les pains au lait, j'ai retenu. Et les petits beurres de lu. Là on a 2,42€, on a deux paquets, donc les 20. Après les petits beurres, je vous ai cité une marque, mais bon. Brioche tressée nature pasquée, 1,78€. Il y a 700 grammes. Alors, pour revenir aux petits pains, c'est bon les petits pains parce que c'est au levain. En fait, je crois que je vous ai montré cette marque-là parce que ceux-là sont au levain, mais il faut vérifier qu'ils soient bien au levain. Brioche, 2,79€. Il y en a deux dedans. En fait, il y a deux paquets. Brioche tressée à la main Harris, c'est 2,56€. Et si vous en prenez deux, c'est 3,38€. Ah, elle est très bonne cette brioche aussi. J'ai encore une anecdote sur la brioche tressée il y a quelques années. Hein, j'avais fait, en plus de mon boulot quotidien, j'étais hôtesse. Vous savez, les hôtesses que vous trouvez dans les magasins qui vous proposent de goûter certaines choses. Et je me souviens que j'avais fait goûter cette brioche tressée. Et c'est pour ça que je l'ai goûtée et je valide, elle est vraiment très bonne. Et alors c'est bizarre parce que quand on propose des choses à goûter, alors j'avais fait goûter ça, une autre fois c'était des chocolats. Et quand on fait goûter, les personnes ne viennent pas de même. Ils ont un petit peu... Après on voit les habitués qui viennent direct et qui goûtent. Mais je sais que quand je proposais, beaucoup me disaient non. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que... je ne sais pas. C'est pas parce que vous goûtez, vous êtes obligé d'acheter. Mais c'est vrai que parfois, je trouve que c'est intéressant. Alors moi, des fois, quand je vois des hôtesses dans les rayons qui proposent de goûter et que c'est des produits que j'aime ou que je peux goûter, je goûte. Puis en plus, souvent, quand vous goûtez, des fois, il y a des petits bons de réduction, des fois, il y a des petits cadeaux. Donc, c'est intéressant. Moi, j'ai pas d'anecdote sur la brioche tranchée Carrefour classique. Peut-être qu'un jour, j'en aurai une. Peut-être que je vais prendre un paquet. Puis la prochaine fois, je vous raconterai une anecdote. Mais là, j'en ai pas. Tiens, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt une personne à aller goûter quand on vous propose des choses ou pas. Après, pour les personnes qui ont un petit peu peur, c'est très bien fait. Hein. Nous, quand on devait découper la brioche, il fallait qu'on mette des gants. Si c'est ça qui vous fait peur, vous inquiétez pas, c'est propre. C'est des paquets qu'on récupère en magasin, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le thon, on a les 4 boîtes pour 6,19€, mais si on en prend 3, c'est 12,38€. Donc 12,38€, les 12 boîtes. Les barquettes chocolat noisette. Alors moins 30% sur le deuxième. Si vous en prenez un, c'est 2,66€. Et donc là, vous avez les 8 paquets pour 4,52€. Les chips, donc par deux, le premier 2,51€. Les deux produits, donc les 4 paquets, pour 3,51€. Je connais pas ça, les donuts. Oh, c'est un peu comme les. Je sais plus comment ça s'appelle, hein, les petits. Bref, à la cacahuète. À les curly, voilà. Je pense que c'est un peu le goût de ça. Alors, ça, c'est 1,85€ les deux. Sinon, 2,59€ les 4 paquets. Et les curly, 1,72€ le premier lot de deux. Et les deux lots, donc les 4 paquets, pour 2,41€. Le lait, 5,52€. Les 8, ça revient à 69 centimes le litre. Donc avec vitamine D. Le Nesquik, les 2 pour 6,10€. C'est des paquets de 1,2 kg. Le Nutella, 6,82€.
Alors 6,82, mais en fait c'est un pot de Nutella avec 6 crêpes. Hop. Et donc c'est les crêpes que vous récupérez au rayon boulangerie-pâtisserie. Donc 6,82, le pot de Nutella de 1 kg plus les 6 crêpes. Les Bella Vita. Donc le lot de 6, ça c'est pas mal pour le petit déjeuner, 7,80 €. Le miel, Lune de Miel France, 2,90 € seul, et vous avez les deux produits pour 4,35 €. Vous avez celui-là ou le crémeux. Alors le crémeux, il est pas mal dans les crêpes. Les biscuits à la cuillère pâtissier, le premier produit, 4,92 €. Et si vous prenez deux paquets, 8,36 €. En fait, deux paquets, il y en a quatre, quoi. Les quatre pour 8,36 €. À côté, le biscuit rose. Alors, je vois pas d'offre, mais bon, il est à 4,30 €. Ah, il paraît que c'est très bon pour faire les charlottes, ça. J'ai jamais goûté, en fait, le biscuit rose. Tiens, il y a 50% sur tous les chocolats de Pâques. Donc, il n'en reste pas beaucoup. Les câlins extra, on a les 3 paquets pour 5,34 €. De plus, hein, en fait. Les Danonino aux fruits. Alors là, c'est avec la carte Carrefour. Vous payez en caisse 3,19 € et vous avez 96 centimes sur la carte. Les Candy Hop, les 2 pour 3,48 €. On a chocolat ou vanille. Les gâteaux comme ça, ça a l'air pas mal. Des gâteaux moelleux, fourrés. On dirait, vous savez, la marque Tronche de Cake. 1 €, il y en a 4. On a les roulés là, 1 €. Oh, ça a l'air bon ça, 1 €. C'est horrible là pour moi. Et on a aussi ceux-là. On a à la fraise et truffe, ça doit être chocolat. C'est marrant, c'est des petits croissants au cacao. On a même des mini madeleines comme ça aux pépites de chocolat. On a aussi des roulés individuels et des tartes. Velouté Frix, les deux produits pour 3,88 €. Il y en a 8, donc les 16 pots pour les 16 pots pour, je vous ai dit combien, 3,88 €. Petite astuce aussi pour les enfants, si vous voulez leur faire manger ce genre de yaourt, il vous en reste plein, vous ne savez pas comment leur faire manger. Moi, ce que je faisais, je leur mettais une paille à l'intérieur. Donc soit c'est des petites pailles que vous récupérez, vous savez, dans les briques à boire. Soit c'est des pailles, bon à l'époque, moi il y avait encore les pailles en plastique, mais les pailles en carton. Vous les coupez en deux et puis vous allez voir, ils vont vous boire ça d'un coup. Les danettes sont 1 €, il y a coco, vanille, chocolat, caramel, pistache, spéculoos, il y a noisette et liégeois chocolat, chocolat liégeois. Et il y a noir extra et vanille liégeois. Donc 1 €. Et il y a café. Oh, l'œuf glacé 2,10 €. Oh, ça vaut vraiment le coup. Chocolat et vanille, sauce caramel et inclusion de biscuits cacao. Alors oui, c'est un œuf de Pâques. Mais et alors, une glace, c'est une glace. Donc franchement, pour 2,10 €, ça vaut vraiment le coup. Et ça, et puis alors vous avez le sapin. On va même pas parler. Vous voyez, c'était Noël, mais c'est pas grave. C'est une. Alors franchement, regarde si c'est. Je me fasse pas voir si c'est une glace ou si c'est un gâteau. Donc là, c'est vanille chocolat et sauce au caramel. 2,10 €. Donc celui-là, c'est une glace. Et celui-là, c'est une glace aussi. Les moins 50% sur le chocolat de Pâques. Hein, c'est surtout le chocolat de Pâques. Parce que tout à l'heure, j'étais dans un petit endroit, il n'y avait pas beaucoup de choix. Mais c'est sur tous les chocolats de Pâques. Et c'est une remise immédiate. Grand-mère familiale, on a les 3 paquets. Donc 3 kilos pour 18,40 €. Confiture, les 3 pour 2,64 €, donc 2 plus 1 offert. On a groseille, rhubarbe. Groseille, rhubarbe.
magnifique violette. L'or expressoir, ça je sais que c'est intéressant puisque c'est un 2 plus 1 offert. Donc les 3 pour 21,10€. Donc si c'est le café que vous prenez, ça peut valoir le coup. Après on a le Maxwell. Donc les 3 pour 8,70€. Et Senseo, vendu seul, 7,51€. Et on a les 2 pour 10,51€. Donc les 122Z pour 10,51€. Les œufs, les cacao et les mini escargots Lanvin. Les feuilles de brique, 79 centimes. Les couches. Alors l'offre, elle est... Donc 70% d'économie, 31,50€ payé en caisse et vous avez 22,05€ sur la carte. La lessive Skip, vous payez 23,28€ et on vous remet 16,30€ sur la carte. Ah voilà, j'ai cherché cela et je ne les ai pas vus la dernière fois à Belle Épine. C'est une ménagère 16 pièces, 16,90€. Elle existe aussi en doré. Le saladier baroque, 3,90€. Alors parfois, d'un carrefour à l'autre, on n'a pas les mêmes promotions. Vous voyez, celui-là, à Belle Épine, par contre, il est en promo. Après, je ne sais pas, peut-être qu'en caisse, il passe en promo. Et là, il est à 6,90€. Et je me souviens du prix, parce que j'en ai acheté un. Je l'ai payé 4,80€. Ou 4,20€. Pichet céramique, 8,99€. Donc voilà pour ce petit tour à Carrefour d'Ivry. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt.